Abedidi, je viens de Mégrine, de la Tunisie. Donc Growapp, c'est gérer mieux ses réseaux sociaux grâce à l'automatisation, à l'IA, à l'analytics et à la veille concurrentielle. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que community manager en bas de l'échelle, comme stagiaire. Donc j'avais toujours besoin de l'analytics pour mesurer mes performances personnelles. Est-ce que je suis le bon community manager ou pas? Donc à partir de cela, on a commencé à développer un outil pour monitorer les performances des réseaux sociaux. Et après, je me suis immergé dans ce monde du SaaS et des social media tools. On est à 90% peut-être. On a un produit finalisé, quasi finalisé. On a une vingtaine de clients, principalement des agences de communication digitale en Tunisie. Et on essaie maintenant à faire une expansion à l'échelle régionale. Donc on vend une solution SaaS pour extraire ses rapports de performance, analyser les concurrences sur les réseaux sociaux, un calendrier éditorial partagé pour collaborer avec son client et créer du contenu et le planifier directement sur les réseaux sociaux. Et aussi l'IA copywriting pour générer du copywriting grâce à l'intelligence artificielle. Les prix sont à partir de 20 $ jusqu'à 180 $. Comme je viens de le dire, il y a principalement les agences de communication digitale et les marques qui se soucient de leur présence sur les réseaux sociaux. Actuellement, les difficultés sont liées principalement à l'écosystème dans la région Nord-Afrique et principalement en Tunisie. C'est le manque des sommes à investir, le manque de financement. Donc c'est le plus grand problème. Après, ça vient la férocité de la concurrence. De se lancer, d'essayer plusieurs projets, ne pas avoir peur de l'échec. Principalement, j'ai entrepris plus que 10 projets dans 10 ans. Et avec la maturité, ça devient de plus en plus facile. Je les conseille aussi de bien choisir leur projet et combiner leurs atouts avec les opportunités pour choisir le meilleur projet. Et ça peut être une startup comme ça peut être un petit business tranquille. Le plus important, c'est la tranquillité d'esprit plus qu'autre chose. Qui va enrichir la scène des startups au Maroc ou sur le continent. Et c'est avec ce genre d'événements qu'on peut s'enrichir à travers le networking, les bootcamps et le monitoring. Donc c'est à travers ce genre d'événements qu'on peut s'améliorer tout simplement.